Salut tout le monde, on est avec les trois autres. Et on se retrouve encore une fois pour la suite. On va essayer de tuer le roi squelette, c'est ça? Exactement. J'ai hâte de... Tu préfères tes intros, Nat, hein? Hein? Je préfère tes intros, Nat, ça fait moins... Ouais, mais Taek, c'est un style, tu sais, le style what the block, what the game, quoi. Ah, voilà. C'est tout un art. Non, mais là, j'en ai marre de laguer. J'espère que ça va pas rendre trop horrible sur la vidéo. Du coup, je prendrai la tête. Alors. Ah, mais on est pas encore au roi squelette, il me semblait qu'on était plus proche que ça. On a plus cette zone avant le roi squelette, en fait. Ah, Biscotto. Ouais. Je sais pas si c'est fort ou pas là pour toi comparé à tes armes. Ah, le journal de Léoric. Nous venons d'arriver à... Oh merde, le journal. Léoric. Mais laissez-moi quelques jars. Il paraît qu'il y a un succès à débloquer avec les jars. Ouais, il faut en péter 4000 ou un truc comme ça. Sérieux? Non, peut-être pas 4000, mais je sais qu'il faut en péter un bon nombre. Quoi. Un bon nombre. Et j'ai réussi à louper une jarre avec ma boulette. Alors ça fait des dégâts de zone. Tech, reviens. Ah, y'a un méchant. Bah oui. Et tu loupes l'histoire. L'histoire, là. Là-bas. Un petit mini-event. Bah, qui sert juste à rien, mais pourquoi pas. Il est où? Dans le... Moi, je veux l'épée de Léoric. Non. Ouais, go, on se bat tous. Ah, voilà, il a tué le roi. Moi je vais sauter sur son cadavre. Moi je balance une boulette, ça passe à travers. Bon bah on y va là, on va sur lui là. On les laisse raconter leur live dans le dos là, rien à foutre. Et tu là non? Ah ouais. Celui-là il y a moyen de faire beaucoup de kills. Y'a rien à faire là-dedans. On va faire un test. Est-ce que vous croyez que je peux ramener le pilier à moi? Ah ben non, ouais. Bizarrement, je pense pas. Ça aurait été marrant. C'est bizarre là. Alors là, c'est quoi? J'ai tout en mode ralenti. Hein. Moi, j'ai un peu besoin de le mettre. Ouais, j'ai un peu lagué moi-même. Hein. Je dois avouer que c'était un peu. Yeah. Voilà, j'ai 42 de DPS. Putain, mais y'a qu'avec avec ton frère qu'on a réussi à avoir les coffres. Putain, j'ai la moitié de toi, hein. Ces filles, sont déconnées. Ouais, ce couteau. Y'a qu'avec ton frère qu'on a vu les gros coffres. Ouais. Je t'ai défoncé la porte. J'ai eu un coup de speed. Qu'est-ce que tu fous déjà là toi? Tu fais le tour? Allez, loue les méchants. Un malaise s'est abattu. Oh là. Hop. Dah. Je crois qu'on s'est encore séparés. Ouais. Bon, à ce niveau-là du jeu, c'est pas trop grave, mais si on veut pas mourir comme des crétins tout seul, faudra pas trop le faire à l'acte 2, quoi. Ouais. Ouais, mais on a l'acteur. Ouais. Ah, je m'en fous, si je me retrouve tout seul, je peux disparaître. Moi, je peux fuir courageusement. Moi, je peux geler tout le monde et me barrer. Ouais. Ouais, mais pour ça, faut que t'aies le temps, et comme t'as pas beaucoup de vie... Oula, gros lag. Allez, on ouvre la porte. Point de sauvegarde, attends. Alors attention, attention, vous ne passerez pas. Ah, comme dans World of Warcraft. Vous n'êtes pas prêt. Vous ne me battrez jamais. Ça le fait beaucoup. Hein. Rigolo, son rire, il a rien à voir avec sa voix. Ouais. Ouais. La voix française est naze. Ah. Et on saute. Ah non, on peut pas. Bah, je pourrais. Toi, tu pourras. Bah ouais. Quoique je sais pas s'il y a assez de portée, mais normalement oui je devrais pouvoir. Ah, vas-y essaye. Attends, je plus de temps. Ça me fait répéter. Ça m'étonnerait que tu puisses, hein, parce qu'il y a quand même la porte magique, tout ça là. Pas faux. On va voir ça.
Bah peut-être pendant que maintenant. Je vais péter toutes les jarres, je vais aller voir. Casse-toi! Eh ben je peux. Ouais mais peut-être que quand la porte était fermée t'aurais pas pu. Ou alors t'aurais servi à rien et puis t'aurais été bloqué. Bon le combat il se passera sur l'écran de Nathaniel hein, parce que là je suis en mode méga like. Espérons que je lag pas comme un porc pendant la baston parce que. Moi je te propose de me laisser passer devant. De toute façon il se téléporte. Ouais. Mais je prendrai quand même moins de dégâts que toi. Et voilà le premier boss en hardcore où Nathaniel va mourir. Mais non, d'abord non, il repousse. C'est toi le tank, c'est toi qui dois crever d'abord. Feu à volonté. Défoncez-moi ce machin. Là, j'ai perdu 10 FPS. Merde. Assommez-le. Biscotto, ce sera plus utile avec ton... Bon, un... Ils sont tous gelés. Ah non, lui pas gelé, lui c'est pas gelé. Attends, je suis en train de passer. Ah, maintenant je le tape et ça va le stunner régulièrement. Qui c'est qui va mourir? Oui, bon. Tu tapes à la pub. Enfoiré. Personnellement, je tue les petits. Il se téléporte. Bon, il a pris trop cher en vrai. Et il dure plus longtemps normalement. Mais allez, crève. Hop là, le méga lag à la mort. Oh yeah, j'ai eu une arme. Bon. J'ai une jaune aussi. Moi j'ai une arme légère rare, c'est cool. Alors moi j'ai eu. Faut cliquer dessus, tu dis. Ouais, clique dessus. Droite dessus, ça identifie. Oh putain, elle est trop. Ah, elle est pas mal, ouais. Ah, par contre, j'ai des. Ah, ça c'est. Non, en fait, non, elle fait que des trucs de merde. Bon, je l'équipe quand même parce qu'elle est plus forte. J'ai gagné une baguette magique qui fait 14-7. 71. Plus 5 de vitalité. Mais les bidons! Moi j'ai gagné une arme de pugilat rare qui fait 12,5 avec plus 2,3 de points de dégâts arcaniques augmente la vitesse d'aigle. J'ai gagné une faucille qui fait 14,3 si jamais. J'en ai une à 15,6. Bon bah. Tant pis. Quelqu'un a une arme à une main là à me donner en. Ah oui, attends, j'ai un point mais il est tout pourri par contre. J'ai 8, quoi 4. Moi j'ai une dague à 15 si tu veux. Ouais, je veux bien une dague à 15. T'as remarqué, elle fait quand même beaucoup plus de dégâts que ma baguette, mais bon, je te laisse la dague. Tiens. Le couplet des anges. Moi, je veux être équipé de sorcier. On y va? Ah non, bah, on s'arrête là, en fait. Ça dure 5 minutes, là, non, la vidéo? Ouais, je sais pas, en fait, non, on peut peut-être continuer un petit bout. Faut sortir. Je suis tout bleu, maintenant. C'est tout moche. Mais ouais. J'ai la coupe de. Ma coupe de cheveux fait des trucs armes des fois. Bon, on avance un peu. Eh, c'est rigolo avec le double coup de là, Biscotto. Ouais, mais j'hésite. Ça me fait augmenter pas mal les dégâts. De points les dégâts, mais ça me fait perdre 9,7% de défense en fait. Du coup, je pense que je vais privilégier la défense. Hi, la météorite. Hein? Je dois pouvoir feinter encore. Ah non. Sait-on jamais. Attention, spoil alert. Hein. Ouais, là, c'est vrai qu'on pourrait faire un gros. Au pire, Nat, tu coupes, on passe et tu reprends. Non, non, on a dit l'intégrale et tout. Éventuellement, on. Allez, on coupe les spoils. Ouais. Je crois qu'on a parlé à deux dans le dialogue. Ça a commencé par Tech, ça a fini par moi. Ouais, c'était bizarre. Yeah! Ouh là! Cinématique! Alors ça, ouh! J'ai gagné énormément d'FPS. Ça, j'ai dit que je voulais couper. Parce que ça, je veux pas vous spoiler. J'ai trouvé cet homme. Aucun homme ne pourrait survivre à tel jeu. Espirigounette! En fait, elle est pourrie, ma truc rare. Ouais, j'en ai un de rare, mais il vaut largement mieux le pas rare. Voilà.
Bon bah le rare, je le vends. On peut le vendre. Je crois que j'ai vendu plein d'objets magiques comme un crétin. Et tu peux le salvage aussi. Enfin, le... Comment ça s'appelle? Le péter avec les dents déchues. Ça sert à quoi? Pour la Cisna. Allez chercher le livre de Léa. Ouais. Attends, je voulais voir parce que je peux forger une baguette de compagnon en acier. Ah ouais, mais il faut level 15 quoi. Bon, je la forge, puis comme ça, je l'aurai quand je serai level 15. Parce qu'elle a l'air pas mal. Le livre de Léa. Alors. T'es déjà niveau 10 l'autre. Oui, c'est le livre qui lui a passé ça. Ah, c'est trop cool! Quoi? Ton passif? Ouais. Ouais, ils sont fans. Tu vas te déplacer, tu dépasses la dash après avec le. Bah, celui-là est plus intéressant que le frisson, que l'autre qui paralyse, parce que avec vous, ouais. Ça sert strictement à rien. Je vois pas de quoi tu parles. Bon. Alors, attends, voir. On y va? Je sais pas où. Quand vous voulez. Allez où? Attends, je dois encore des trucs à faire. Ouais, j'attends alors. Si tu as oublié. Oh, je trouve un journal du Fossoyeur, tiens. Ouais, je l'avais trouvé tout à l'heure, ce machin. Ça donne un peu d'XP, c'est sympa. J'hésite un petit peu. Journal du Fossoyeur, t'es retourné au cimetière? Ah bah oui. Bah oui, c'est au cimetière qu'on doit aller. Je pense que j'ai un pantalon intéressant pour toi, t'as avec... Bon. Où t'es? Ah, mais vivement le niveau 11. Il y a plein de trucs en plus au niveau 11. Où c'est que tu l'as fait tomber ton livre, toi? Dans ton... Ah, c'est bon, devant, là. Non, je l'ai pas trouvé. Il est où, ce truc-là? Juste devant, sur un cadavre. Juste devant, oui. Sur un cadavre. Avec un de... C'est vers moi, non? Voilà, c'est bon. C'est attends, ok. Là. Non, c'est Nat. Ah, il est reparti encore. Je suis là, moi. Je suis dans le champ du malheur, moi. Et attends, attends, je veux que je te file un pantalon. Bah, cours, Forest, cours. Attends, Taïk. Tu vas finir par crever comme un débile. Hop, tiens. Ouais. Pas forcément pour toi, je pensais plus pour Taïk. Ouais. Oh, bah, je vais la. Oh, y'a un gros monsieur. Ah non, c'est un nid en fait. C'est quoi le nid? Biscotto a accompli le haut fait, niveau 10. Extrême. Extrême. Encore. C'est trop extrême. Pourquoi extrême d'ailleurs? Ils auraient pas pu laisser hardcore. Ouais, c'était plus intéressant. Alors, en anglais, c'est hardcore. Ouais, c'est une traduction pourrie quoi. Mais c'est des grenouilles ou c'est sans déconner? Ils font trop mal eux. Non, regarde. Ah oui, toi, t'as pris l'avantage qui fait réduire les dégâts quand tu tapes. Qui, moi? Ah, mais t'as pas encore ton niveau 10, en fait. Donc, j'ai rien dit. Ouais, y'a un arbre. Bah ouais, ça arrive. Ouais, mais il était vivant, celui-là. Ouais, c'est écoute, hein, si tu t'étonnes de tout, aussi... Oula. En même temps, depuis que j'ai vu des mecs remplis de serpents... Attendez, mes boules de feu, elles arrivent. Ouais. Pas sur les j'ai plantes, pas, j'ai mal quand elles s'ouvrent. Ah ouais, ça picote en vrai. Ouais, go Dantin. Oh putain, des boucles. Ouais, level 10. Ah, des goats. Ah, des planeurs quoi. Plus rien. Pimpon. Gagner une targe. C'est toi la targe. Une 51. Non, ça j'ai 4. Attendez, j'ai une ambulance qui est passée en dessous de chez moi, je vous explique pas le bordel. Si on l'a entendu. Un arc à 18-2. Putain, ça va. Ah, je trouve un chapeau. Ah, j'ai un chapeau de sorcière. Un chapeau ouais, du. Il est trop classe le chapeau. Chapeau de vagabonde, je reconnais du lion. Mais regarde si tu veux, Nat. Hein? Non, Nat, regarde mon chapeau à moi. Le chapeau de sorcière que je viens de balancer à côté. Le truc jaune, blanc. Tiens là. Regarde ah bah lui. Oh t'as vu qu'il en avait un magique.
Ouais, ils vont encore réduire mon DPS si j'équipe ce machin, mais bon. Et là. Tu calmes. Et là. Eh, j'ai trop. En plus, ça m'a accompli un haut fait. Ah ouais, il est mieux celui de Taek. Ah non, ça donne de la force supplémentaire, je m'en fiche. Bon, on va tuer des mobs. Attends, merde. Comment tu fais déjà pour voir ton arme de compétence S, je suis con, j'ai tellement pas l'habitude. Alors, Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Juste en dessous, moi je finis de explorer la map. Eh, hey, j'ai trop la classe quand même avec ce chapeau. Tu ressembles à un apprenti sorcier. Avec la baguette et l'orbe, ça m'a débloqué un succès quand je l'ai eu. Quand je me suis équipé des trois. Putain, je l'ai OS le mec. Un arbre. Oh, il est mort. Non. Il avait pas un peu bugué lui? Non, on le bloquait. Bon, on part pas tant que je suis pas niveau 10. Je vais augmenter les chances de trouver des globes de vie. De tout là. Des globes de vie. J'ai un casque pour le moine si tu veux, t'as. Ah ouais, je veux bien. Alors attends. Ah putain, ça fait trop mal ces trucs. Ouais. Non. Ouais, ne meurs pas. Là, par terre, take. Comme ça, tu peux me l'envoyer. C'est entre autres pour ça que je vais augmenter les chances de trouver des blocs de vie. Sinon, je ferai plus de dégâts. Je viens de choper un bâton de sorcier qui est tout pourri. Donc, je vais pas te le filer. Bah, garde-le. Ouais. Attends, putain. Il est même pas magique, en fait. Je vais pas récupérer la potion de vie. Hein. Je vais y laisser ma peau. Moi je te heal. Y'a des clanners. Pas grave. Y'a fait la bestiole. On fout. On la tue. Non. J'ai le portail ici. Ah, le portail. Niveau 10. Extreme. Et y'a le. Ah, y'a le portail. T'es bloqué quoi? Nouveau. Oh, oh putain, je viens de trouver un masque voodoo, mais il n'y en a pas de fétiche. Alors cette résolution, les dégâts que vous infligez réduisent les dégâts des ennemis de 25%. Ouais. Ou votre vitesse de déplacement. Moi ouais, je te propose qu'on fasse vraiment le rôle de temps, parce que sinon je connais plus de dégâts, mais... Ah, résolution, alors j'ai pris résolution. Ouais, pareil, j'ai un truc qui me permet de faire tomber plus souvent des globes de vie. Ça peut être pratique. Et ils sont plus efficaces en plus, normalement. Bah moi perso je suis mon rôle de gros lâche hein. Ouais oui, mais tu fais rien c'est ça. La DPS c'est ouais, DPS. Je cours plus vite en fait. Regarde. Yahoo. Là quand tu gagnes, ça se voit bien. Et là-bas y'a un truc. Ça me chante. Tiens. Lui là. Attention à l'autre. Lui là. Tiens. Moi je m'approche pas de ces horreurs de spectre des bois, hein. Genre c'est l'optique qui plante là. Non. Je sens que le premier à crever de nous tous ça va être Taek. Qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as vu ma vie? T'as vu? Ouais, mais c'est logique que ce soit une des tanks. Enfin. Ouais. Attends, t'as vu ma vie ce qu'elle a fait? Là y'a un tanière de charognard. Oh, attends, y'a un tout petit bout de carte qu'on a pas vu en fait. Ouais, bon, on prend le temps. Barbare. Ah non! Je crois que je viens de choper une ceinture de barbare. Ah oui? Bon, on va dans la tanière de Charognard, on est où hein? On peut. Ouais, parti. Mighty Vengeance. Biscotto, vengeance divine. Ah, putain, ouais. Je suis passé à deux doigts de mourir quoi. Oh, je pense que c'est parce que j'ai trouvé une ceinture. Brutale. Il a joué mort. Un coffre. Attends, j'ai trouvé des gants pour toi. À 12-6 de dégâts. Pour qui? Pour ta... toi. Pour qui? Je les balance si tu veux les voir. Ah, j'ai eu le début de la richesse. Tiens. C'est quoi, c'est les 10 000 PO, c'est ça? 12-6 pour moi, c'est ça? Ouais. Ah, mais j'ai mieux. J'ai 14-3 et 15.
J'ai trouvé une bardiche magique qui fait 14-2. Mais en fait, moi, ce que j'ai besoin, attends. J'ai pas. Ah bah attends, tu sais quoi, je vais tester comme ça. Comme ça. Putain, j'ai fait un buffet, c'est quoi? Je vous fais justement là, que t'as équipé des gants justement. T'aurais dû attendre. Ah ouais, zut, t'as inquiété. J'ai besoin de votre truc. J'ai un peu l'impression que je fais pas beaucoup de dégâts quand même. Bon, mais je vais tester comme ça moi. Ouais, on est pas au bon endroit. Non. Ouais, on va descendre, on va descendre. Hop là, tatatatatatatralalalala. Ah là, on ne sait plus quoi dire, il chante. Oh là 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 là. Non, pas celle-là. Tu vas voir ce que ça va donner avec mes doubles coups de poing là. Tu sais que ça augmente pas énormément le DPS de mettre deux armes souvent. Hein. Je sais pas où est-ce que je peux voir mon DPS. Dans l'inventaire, c'est marqué en dessous de ton armure. En fait, regarde dans ton inventaire, tu sais, quand tu changes les armes sur le côté, tu as le nombre de dégâts que tu fais. Ouais. Alors, j'ai 20, 26. J'ai des bottes qui donnent plus 5 de force et 5 vitesse de déplacement, ça intéresse quelqu'un? J'ai 2363. Ouais, moi je vois bien, s'il te plaît. J'ai 2363. Bon, battez-vous pour. Bon, oh, vas-y. Merci. Tu les voulais, Biscotto? Non, non, ça va, j'en ai été pas trop mal, genre. Et encore ces boules là qui partent dans n'importe où. Arrête de parler de ça, ça me gêne. Le spell il avance, vous les butez tous avant que ça arrive et que ça touche les mains de personne quoi. Moi je l'ai tué avec de l'air alors je suis plus fort que vous tous. Mime LC. Ah oui c'est. On est déjà passé par là. Ouais mais il y a le truc en. Je suis tout plein. Ben retour au portail de ville quoi. Ouais. Non t'as avec mauvaise idée. Il y va. Il y allait. Mais je me téléporte, moi je rentre et je me téléporte. J'ai pas de bêtises. Oh là 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 là. J'ai oublié. Merci. J'aime Arthur pas cette chanson. J'ai travaillé comme un damné pour apporter tous ces trésors. Ça je peux pas. Cette action détruira définitivement l'objet. Oui. Oh. Quoi? Non rien. Et j'ai pas ouffé. C'est quoi cette idée de pouvoir porter les potions que par 31? Ah mais c'est pas, c'est pas les mêmes. Oui. Ça les... Alors faut voir ce qu'il y a en arme. T'as dope. Voir ce qu'il y a en... Ouais, c'est surtout qu'on peut pas s'en servir avant le level 16 quoi. Oh putain. Plus tard. Mais tu peux afficher que ce que tu peux faire. Que ce que tu peux porter. Mais j'en ai deux. Yé, des épaulettes. Même principe. Faut encore les porter normalement. Je sais, c'est niveau 11. Bah alors. Bah alors je disais juste yé, des épaulettes, c'est tout. Et ça sert à quoi dans des déchus? C'est pour péter les objets rares. Non, c'est pour faire des objets rares. Et pour les péter aussi je crois, non? Non non non. C'est quand tu les pètes que ça t'en donne. Quand tu les pètes, t'es sûr d'en avoir une. J'en ai été. Eh ouais. Ok. Alors je crois que j'ai trouvé un carquois. Ah j'ai trouvé un... Qui fait plus 10% et plus 1 discipline max. C'est wow. Bon. J'ai pas besoin. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, rien, non mais il vient de lâcher, il vient d'ouvrir un coffre qui a looté pas mal de. Alors j'ai eu un carquois,
Carquois aventurieux, carquois magique, chasseur de démons, augmente la vitesse de 10% et tue des monstres, octroie 3% d'expérience en plus. Tiens, Rick. De quoi? Tu le veux, tu le veux pas. J'ai une dague pour féticheur, je sais pas s'il y a un féticheur. Hop. Tiens. Tiens, un carquois. Tiens, mais ça y va, merci. Non, c'est bon, ça merci. Sera plutôt pour, sera plutôt pour Nat, je pense. De quoi? C'est quoi ça, un crispin? De quoi? T'as voir, c'est où qu'il est apparu? Ah quoi, ouais, j'ai... c'est pas mal ça. Bon, je passe à 33 quasiment de DPS. J'ai que 9 en prenant ça. Moi, je suis à 28 en DPS. Moi, je suis à 52. Non. Si? Ah ouais? Oh, regarde ma vitesse d'attaque aussi. Un petit DPS. Oui, c'est mon boulot. Oh cool. Il y a un boss. Eh, hey, c'est quoi ce délire? Ça m'a bloqué. Ouais, c'est le boss qui fait ça apparemment. Ah, il m'a rien lâché cet enfant. Ah, mais il est parce qu'il est pas mort en fait. Après, c'est parce que pendant 2 secondes, il n'y a plus personne qui l'a tapé. Ouais, mais il avait disparu. Non, il s'est caché derrière la pierre et j'ai cliqué sur la pierre. Je voulais me téléporter, moi. Ah, ouais. J'ai trouvé des jambes. Hier. Des jambes. Hier. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'on a pas mal avancé. Ouais. On a beaucoup avancé, même. Et puis, bah, on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde et portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.